Le championnat de France des rallyters qui fait sa rentrée des classes ce week-end. Bienvenue à Mans dans l'Auxerre pour le 13e rallyter de l'Auxerre. C'est la 4e manche du championnat de France des rallyters 2024. Et parmi les nouveautés, il y a cette voiture derrière moi, la Toyota Yaris GR Rally 2. C'est la toute première fois que l'on voit cette voiture sur une manche de championnat de France des rallyes. Alors on verra où son pilote Hugo Louvel saura la mener tout au long de ce week-end. Je vous propose tout de suite de découvrir les meilleurs moments de ce rallyter de l'Auxerre. C'est parti. Deux ans après sa dernière apparition sur la Terre, Hugo Louvel fait son grand retour sur le devant de la scène à Mende. Première apparition en France, donc c'est sûr qu'on a du travail à faire. On n'est pas là pour forcément faire ce qu'on ne sait pas faire encore. C'est mon deuxième rallye en 4 roues motrices. Donc. Le jeune homme de 24 ans ne met pas longtemps à se mettre en évidence. Il signe le 3e temps scratch dans la 2e spéciale du rallye et pointe à la 5e place après la première étape. Et c'est à l'angle 151, Mitard Cordeau. 151, Mitard Cordeau et 50 mètres. Gauchier en frein pour chicane entrée droite. Déjà, on a fini la journée une plutôt bonne place. Ouais, revenir dedans, c'est quand même pas évident. Faut se remettre dans le rythme, etc. Mais bon, très satisfait. On a pu attaquer là où on pouvait se lâcher. Au départ de l'épreuve, plusieurs pilotes sont encore en lice pour remporter le titre national. Écoutons leur ressenti avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est la rentrée pour tout le monde, c'est la rentrée des classes, la rentrée du rallye. On a roulé un petit peu quand même, nous, en attendant pendant la trêve. Là. On a fait une manche en championnat du monde. Ça fait du bien d'être de retour déjà. Les spéciales sont très variées. On a la première, en fait chacune est vraiment très différente les unes des autres. La deuxième est très rapide, la troisième va être je pense assez sélective avec beaucoup de pierres et de rochers. Bah, l'objectif c'est de recoller au championnat, donc de gagner le rallye devant les principaux concurrents. On se régale, allez plaisir Julie. Gauche 110 à fond, en droitie, 30 mètres. Le droit 132 plus tenir, dans gauche 130 plus coupance, un peu tôt, 50 mètres. Droite 150 à fond et gauche 164 à fond tenir. Attention frein aux arbres, pour droite 140 moins sortie bosse. Ici, 340 moins sortie bosse. Le premier rebondissement intervient dès la deuxième spéciale. Alors second au classement, Florent Todeschini doit déjà quitter les routes lausériennes sur casse mécanique. Gauche 70 moins bref, ouvre, reste concentré. Gauche 80. Et le différentiel avant. Putain. Un abandon mécanique à la fin de l'ES2, une tête de cardan qui a cassé. Et voilà, vu qu'on n'avait pas les moyens de continuer, on va dire, dans des bonnes conditions, on a préféré se retirer. Mathieu Margaillan, en tête du championnat, signe 5 temps scratch en 6 spéciales sur la Skoda Fabia RS Rally 2 et prend d'entrée de jeu l'ascendant sur ses adversaires. Coche 120. Gauche 120 pas corde, ici 120 pas corde, 200 mètres entre les arbres, gauchy droiti à fond. Laurent Pellier n'en démord pas. Auteur du meilleur temps dans la deuxième spéciale, il est en embuscade et ne se laisse pas distancer. 150 à fond, un peu tard, 50 mètres, devant l'arbre, frein piège, gauche 132, ferme sans discours. Pour. Et droiti sur ciel, sur gauchy. Pour si elle a droite pour attention trop frein piège gauche 164 très long droite 100. C'est très sec, beaucoup de poussière, ça risque d'être cassant même déjà au premier tour. Voilà, il faut rouler comme on sait faire, pas faire d'erreur. Mais les spéciales sont toujours aussi belles, donc on est toujours content d'être là. Et puis on va essayer de se rapprocher des meilleurs. Voilà, et puis essayer d'être toujours le premier du deuxième groupe. C'est quand même un des terrains qu'on connaît le mieux, donc j'espère qu'on va pouvoir en tirer un peu profit, mais ça va être chaud. Plusieurs pilotes peuvent également espérer monter sur le podium du rallye, à commencer par Benjamin Clémenceau. Sur sa Volkswagen Polo R5 GTI, il prend la 3e place provisoire après les 6 premières spéciales. Gauche 125, droit tirade, à gauche fin, ferme 60 points de suite, tarmac. Droite 135, tenir. Très à l'aise sur ce rallye, Emmanuel Gascou est également dans le match. Il est 4e du classement provisoire après la première étape sur la Skoda Fabia Rally 2 Evo. Moins sévère, pour droite 95, plus ouvre droite 95.
Derrière, la bagarre fait rage entre la Toyota GR Yaris Rally 2 d'Hugo Louvel et la Skoda Fabia RS Rally 2 de Pierre Rague, avantage au premier cité après les 6 spéciales du samedi. 340 au bois, 30 mètres à gauche, 90, à gauche, 90. Dans. 340 large, 340 large. Pour le premier passage, ça va être vraiment sympa parce que ça va pas être trop creusé. Et je pense que ça va être un autre rallye sur la deuxième boucle. Donc. Engagée sur un double programme terre et asphalte cette année, Sarah Rumeau compte bien surfer sur sa belle dynamique du début de saison en Lozère. Elle conclut la première étape en 7e position. Bilan positif, on a vraiment progressé avec la voiture, on a montré de belles choses dans les deuxièmes passages. À domicile, le champion de France des rallyes terre 2002, Éric Rousset, place sa Citroën C4 WRC à la 8e position au soir de la première journée. Avant de repasser sur le podium pour finir la journée du samedi, place à une dernière assistance. Fin de cette première étape sur ce rallye Terre de Lozère, on est en compagnie du leader au soir justement de ces 6 premières spéciales, Mathieu Margaillan. 17 secondes 3, c'est une avance qui commence à être intéressante. On va pas parler encore d'avance confortable, bien sûr, il peut se passer encore beaucoup de choses demain. Mais quel bilan vous tirez de cette journée, Mathieu ? Oui, c'est positif. On ne pensait pas être en première position avec cette avance. Enfin, on a eu de la chance, on a crevé dans la spéciale numéro 5. Laurent aussi a crevé. C'est très très vite arrivé. Une crevaison, c'est une minute, deux minutes. Ça peut être pire que ça. Donc, il faut arriver jusqu'à dimanche, on verra. Demain, il y a une deuxième étape qui va être très très complexe. Certes, il n'y a que deux spéciales à effectuer à deux reprises, on le rappelle. Mais voilà les spéciales. Hein. Ce sont quand même de très très gros morceaux. Comment vous allez appréhender justement cette dernière journée ? Je ne vais pas regarder les caméras de demain, on verra. On va essayer d'attaquer comme on a roulé aujourd'hui, essayer de conserver un peu d'avance. Voilà, l'objectif, c'est de garder la tête du rallye, et quitte à perdre un petit peu et conserver un petit peu voilà, cet écart jusqu'à à garder la tête. Quoi. Eh ben c'est tout ce qu'on va vous souhaiter en tout cas de pouvoir lever les bras demain soir à l'arrivée de ce rallye. En tout cas, on va découvrir tout de suite le résumé de la deuxième étape de ce quatrième rendez-vous du championnat de France des rallyes Terre 2024. Amende, les formules de promotion sont bien représentées. 35 équipages sont au départ et sont répartis entre ceux du Clio Trophy France et de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Dans la Stellantis Motorsport Rally Cup, Lucas Darmezin, le leader du championnat, est rapidement contraint à l'abandon. 4 pilotes prennent donc les devants avec Valentin Asenzi, Pablo Sarrazin, droite de titre à pompe du gros fin direct pour votre fin de moins tard qui ferme. Fin de moins tard. Julien Casal ou encore Loïc Coste, c'est justement le Cantalien qui boucle la première étape en tête. Pour gauche, train plus, Pex court. 50 mètres, l'endroit-ci tient pas peur corde. L'endroit-ci tient pas peur corde. Eh bien, on a fait une bonne première boucle, la deuxième boucle j'ai fait deux bonnes premières spéciales, la troisième j'ai vraiment décidé d'assurer parce que c'était trop cassant à mon goût. On arrive à faire un joli scratch dans la dernière spéciale qui était vraiment vraiment compliqué. Du coup bien content, on est deuxième à 3 secondes 5 de la tête, donc demain on va attaquer pour essayer de gagner. La bataille elle est plus que présente, moi je suis troisième à 4 secondes 6 de Loïc Coste. Et après il faut penser surtout au championnat, malheureusement Lucas il a abandonné. Le quatuor reste aux avant-postes le lendemain, mais tout bascule dans la dernière spéciale du rallye. Pablo Sarrazin est contraint à l'abandon. Loïc Coste est trahi par la mécanique et pendant ce temps-là, Valentin Asenzi signe une prestation parfaite pour reprendre des commandes et s'imposer. Julien Casal complète le podium. Ça s'est fait à une semaine du rallye, vraiment je remercie les eaux parce que c'était inespéré pour nous d'être là. Et on se retrouve avec la victoire, les points meilleurs performeurs et on est relancé pour le championnat, donc c'est vraiment bien, on prend la revanche du Rouerg ici sur un rallye terre en plus pour notre deuxième, donc c'est top. Dans le Clio Trophy France, les événements sont nombreux dès l'entame du rallye. Mika Razoamaromaka abandonne au bout de 3 spéciales, tandis que Benjamin Boulin qui est victime de soucis mécaniques. Tom Pelleret en profite et prend les commandes après la première étape. 3-6,
jusqu'aux 100 mètres. Attention, frein en ciel au jaune, 50 mètres. Bilan positif, on était là pour scorer une journée solide et toujours rester dans la bataille pour le titre junior et le titre du Clio Trophy. On rentre ce soir en tête, donc c'est chose faite. Rasé saute sur gauche, 3 cours ouvrent, rail creusé pour gauche à fond, 80 mètres, droite 5 moins, bref tenir sur gauche. Benjamin Boulin parvient tout de même à revenir à la 5e position du classement provisoire. Faniri Razo Amaromaka sauf quant à lui les honneurs malgaches. Pour le moment, on a réussi à remonter P2. Celui de devant est un peu loin, mais demain est une grosse journée. Pour un souffle, après près de 70 km parcourus, Jean-Paul Monin est troisième au soir de la première étape. On a cassé la biellette, donc on a dû réparer pour pouvoir rallier l'assistance hier soir. Donc on est là aujourd'hui, on est troisième, derrière ça deux dixièmes. Il y a Benjamin aussi Boulin qui doit être à 15-20 secondes. Là encore, la journée du dimanche est mouvementée. Monin voit Alexandre Grandsagne lui reprendre la troisième place en début de deuxième étape. Il la conservera jusqu'à l'arrivée. Faniri Razo Amaromaka est alors second à 15 km du terme du rallye, mais une double crevaison dans la dernière spéciale l'immobilise. Benjamin Boulenc profite des malheurs de ses adversaires et au prix d'un très bel effort, il termine finalement second. Jamais inquiété, Tom Pelleret s'offre pour sa part un succès de prestige à Mende. Gauche 8 à fond, dans droite 9 à fond en ciel, pour gauche 8. L'objectif, c'était effectivement de pouvoir sécuriser le junior si possible. C'est chose faite, donc on sait maintenant qu'on a le programme l'année prochaine. C'était la target de l'année, donc ça fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Avant de nous intéresser au dénouement du rallye, en ce qui concerne le classement général, signalons la victoire dans le trophée national Terriaco de Guy Bécart devant Jean-Luc Morel et Jérôme Clavel. Au terme d'une confrontation haletante, Simon Heinemann remporte la classe Rallye 3 sur sa Renault Clio. Il finit également 10e du général. Le local de l'étape Éric Rousset place sa Citroën C4 WRC à la 8e position finale. Sarah Rumeau signe son meilleur résultat en carrière avec une 5e place sur sa Ford Fiesta Rallye 2. En lice pour le podium, Pierre Rag est contraint à l'abandon sur problème mécanique dans la première spéciale du dimanche. Hugo Louvel frappe très fort, remonte à la 3e position mais sort de la route dans la dernière spéciale. Il peut repartir mais pointe en retard au CH et termine finalement 6e de l'épreuve. Benjamin Clémenceau se hisse en 4e position finale. 3 et 60 mètres, droite 105 plus court, droite 105 plus court. 70 mètres, gauche ferme 60. Emmanuel Gascou termine 3e et s'offre son premier podium en championnat depuis octobre 2021, où il avait remporté le rallye Terre des Cardabel. Une très très belle 3e place. Quand on voyait le plateau, on savait que le top 5 c'était possible, mais le podium c'était difficile, il fallait quelques faits de course et puis aujourd'hui une grosse grosse attaque. Quatrième rallye cette saison et quatrième podium consécutif pour Laurent Pellier, qui termine deuxième sur sa Hyundai 20N Rallye 2. 10 rondards pour droite 120. On s'est régalé, pour nous c'est une belle course. Encore deuxième, c'est sûr qu'on aimerait pouvoir être sur la plus haute marche. Et avec 7 temps scratch en 10 spéciales, la victoire revient à Mathieu Margaillan sur la Skoda Fabia RS Rally 2, impériale tout au long du week-end. Droite 120 derrière, sur gauche 130 et 300 mètres ciel. Un succès consécutif pour le premier.
Clap de fin sur ce rallye Terre de Lozère, quatrième manche du championnat de France des rallyes. Et pour la troisième fois de la saison, ce sont Mathieu et Mathilde Margaillan qui s'imposent sur ce championnat. On va commencer avec vous, Mathilde. Félicitations pour cette très très belle victoire. On a eu l'occasion d'en parler avec Mathieu tout au long du week-end. On a l'impression qu'il y a quelque chose de plus avec vous cette saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors, je pense qu'on s'est bien structuré, on a pris de l'expérience, de la maturité, qui fait qu'on est beaucoup plus régulier, moins d'erreurs, et ce qui permet en fait d'arriver à être sur le podium à chaque manche. Et oui, sur le podium, et même sur la plus haute marche du podium. En l'occurrence, on rappelle, vous aviez débuté la saison par une deuxième place au Terre des Causses, et puis après, vous enchaînez tout simplement les victoires, à tel point que finalement, les espoirs de titre deviennent de plus en plus concrets, Mathieu, pour vous. C'est vrai que tout ce qu'on a marqué comme point, on en gagne 3, donc c'est vraiment parfait. On a toujours forcément un coin de la tête, le championnat à la fin du championnat, mais l'objectif pour nous c'est de gagner, c'est d'être rapide. Après si on est rapide, on se fait plaisir, et c'est comme ça que moi je fais les rallyes. C'est pas pour être deuxième et gagner un championnat. Voilà, l'objectif il est de vraiment prendre du plaisir au volant et d'être devant les copains et de faire le maximum. Et bien, en tout cas, merci beaucoup pour le spectacle que vous nous avez offert. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans Moteur sur Sport en France pour le résumé de ce 13e rallye Terre de Lozère. Le prochain rendez-vous, ça sera les 5 et 6 octobre. On sera cette fois-ci dans l'Aveyron, ça sera l'avant-dernière ronde du championnat, et ça sera le rallye Terre des Cardabelles. Salut à tous.